Je suis venu à Goma passer des moments, prier et rendre visite à nos frères et sœurs déplacés de guerre et apporter un message de paix. Et en dehors de cela, leur dire que leur temps est compté ici dans la ville de Goma. Ils doivent retourner sur leur terre, là où ils ont grandi, là où ils ont passé de moments difficiles, là où ils ont passé de meilleurs moments aussi, parce que ils ne peuvent pas laisser abandonner leurs origines, abandonner leur ville. On a consacré un pays en entièreté, on a consacré un pays, pas un pays manchant, pas un pays estropié. Donc, en laissant la ville libre, on évite à ce que les ennemis du Congo puissent remplacer dans ces territoires qu'ils ont laissés. Donc, le message est que je suis d'abord venu leur rendre visite, passer des moments de prière avec eux. S'il y a quelque chose à leur donner, ça viendra après. Et surtout leur dire que leur temps ici, c'est compté. Ils doivent retourner sur la terre que Dieu les avait donnée, là où ils sont nés, là où ils ont grandi. Voilà, donc c'est ça. Alors, je suis venu dans ces mêmes cadres de la Fondation Paul Fulgence Koussou. Et cette fois seulement, je vais rendre visite aux veuves militaires aussi parce qu'elles déjà font partie de ma fondation. Mais aussi, cette fois, comme il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu explosion dans des camps des réfugiés, dans des camps des déplacés, il y a eu beaucoup de choses et je n'étais pas là. Et je suis Congolais, je suis venu compatir avec des familles qui ont été touchées. Je suis venu prier avec et surtout et leur encourager, leur donner ces messages. Ils n'ont pas perdu leur maison. De l'autre côté, ils vont retourner et nous aurons notre Congo dans son entièreté. Le pays a été consacré à Dieu. Lorsque le chef de l'État a consacré le pays à Dieu, il a consacré un pays dans son entièreté. Il n'a pas consacré un pays à moitié. Donc c'est pour dire, nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui ici à Goma, appelés déplacés des guerres, demain après demain, moi je crois, qui vont retourner chez eux parce que leur maison, personne d'autre ne viendra habiter dans leur maison. Eux-mêmes doivent retourner là-bas.